Oui, bonjour. On est là pour un autre quickie, l'épisode 6. Un peu spécial. Je vous ai habitué surtout à des quickies Sure Punch. Et je pense qu'on a unboxé seulement une Geek Foil, que c'était les tasses qu'on va envoyer de remplacement. Et aujourd'hui, c'est plutôt pour une figurine. Je suis pas vraiment le genre à vouloir vous présenter mes pas. Je préfère vous présenter des figurines un peu plus chères, disponibles chez Cellulorama. Je vous mets son lien dans la description. Une figurine Kotobukiya, une Bishujo, qui veut dire jolie fille. C'est Sniper Wolf de la série Metal Gear Solid, le premier jeu. Un jeu, mon Dieu, qui m'a marqué. Je l'ai joué d'innombrables fois. Ça a été un jeu révélation pour moi. Mais ne tardons plus, on est là pour un quickie. Donc je vais vous présenter la figurine Bishujo de Sniper Wolf de la série Metal Gear. Oui, je l'avais déjà sorti au préalable. D'accord, donc elle se présente comme suit. Bishujo de Sniper Wolf. Bien sûr, je vais me mettre en grand en train de tourner pour que vous puissiez l'admirer. Une belle figurine. Dites-moi là dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai simplement craqué, non seulement pour tout la nostalgie derrière le jeu, mais aussi pour le personnage qui nous rappelait dans le jeu qu'elle était super belle et tout. Et cette figurine-ci, je trouve qu'elle lui rend justice sur sa beauté. J'espère avoir d'autres de Meryl Gill. Je veux voir Meryl. Je veux toutes les voir. Bien sûr, la position est un peu explicite, comme je vous ai dit. Par contre, j'adore vraiment. Mais je veux savoir, vous, dites-moi-le dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le genre de figurine qui vous plaît? Est-ce que vous l'auriez acheté? Dites-moi-le, je veux tout savoir. Et comme à l'habitude, si vous aimez ce que vous regardez, lâchez un pouce bleu. Souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!